Donc c'est un article paru dans Scientific Reports qui permet de montrer que les chiens entraînés arrivent à reconnaître une odeur de crise d'épilepsie, donc chez différentes personnes avec des épilepsies de causes différentes et de symptômes différents. Le chien va arriver dans une pièce dans laquelle il y a 7 pots. Dans chaque pot, il y a une odeur de la même personne. Donc c'est une odeur soit d'une activité calme, donc prise à des jours différents. On a 4 odeurs comme ça sur les 7 pots. Soit une odeur de sport, donc pour 2 pots différents. Soit une odeur d'épilepsie, donc de crise d'épilepsie. Et le chien devait arriver à explorer les différents pots et à marquer le bon pot, à savoir celui comprenant une crise d'épilepsie, un coton avec l'échantillon de crise dessus. Donc les résultats sont assez impressionnants. Sur 5 chiens, 3 chiens arrivent à détecter l'odeur de crise à tous les coups, sans aucune erreur, et deux autres chiens sont à 67% et 95%, ce qui reste assez haut en termes de détection. Et ce qui signifie que globalement, les chiens sont capables, avec un entraînement adéquat, de discriminer une odeur de crise d'épilepsie par rapport à d'autres odeurs de la même personne, et ce, chez différentes personnes. Donc la communauté scientifique doutait, compte tenu de la variété des crises d'épilepsie, qu'on puisse trouver un seul marqueur commun. Donc là, c'est vraiment une première dans ce domaine. Donc c'est une collaboration qu'on a depuis plusieurs années avec Andy Chien sur différentes thématiques, et depuis 2017, ils entraînent des chiens détecteurs d'épilepsie. Les entraîneurs nous ont fait remonter qu'ils étaient capables, ces chiens, de détecter des crises, et ce, sur des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Et de manière aussi empirique, des personnes ayant des chiens à la maison, de compagnie, rapportaient que certains chiens étaient capables aussi de détecter des crises. Donc de ces informations, on a voulu tester scientifiquement l'existence possible d'un marqueur de l'épilepsie reconnu par les chiens. Des échantillons d'odeur ont été récupérés dans le grand test à l'OHS de Flavigny. Donc pour ça, les patients épileptiques inclus dans l'étude devaient frotter leurs mains avec des compresses de coton stérile, ainsi que leur nuque, leur front, et ensuite mettre ces compresses de coton dans un sachet et souffler dedans de façon à ce que nous ayons aussi la laine comme typographie d'odeur. Ensuite, ces odeurs ont été envoyées aux États-Unis à Indianapolis, donc en l'occurrence chez Medical Mutts, donc chez Jennifer Cattay, qui entraîne des chiens d'assistance. Donc elle a fait passer ses chiens entraînés sur nos échantillons et nous a envoyé les vidéos de façon à ce que nous puissions les analyser et les coder et réaliser des statistiques dessus. En termes de perspective, on peut imaginer que les entraîneurs améliorent les capacités des chiens dans la prédiction des crises d'épilepsie, et cela permettrait aux personnes souffrant d'épilepsie de se mettre notamment en sécurité avant la survenue d'une crise.